Oula, j'ai trouvé. Oh, y'a un truc à lire, y'a un truc à lire! Oui, mais j'ai entendu, pas besoin de le gueuler! Alors, les chaufferies, une fois que vous aurez. Quoi? Une fois que vous aurez accès aux salles des machines, faudra suivre les étapes suivantes pour faire fonctionner les chaufferies. Premier, allumer le foyer. Deuxième, réparer les conduits d'eau. Troisième, vous abonner à quel niveau? Quatrième, régler les Oh. bonnes températures. Une fois cela fait, la dernière étape consistera à tirer le levier pour démarrer la machine. Voilà, j'ai lu, mais j'ai pas du tout écouté ce que j'ai dit, donc. Oh, tu sais, je rêvais avoir un. Hein? Oh, c'est quoi? C'est qui? Vous êtes qui? Merguez! Viens voir, il y a un pote là-bas. Elle est par terre. Cool. Il y a un zombie. Comment ça, il y a un zombie? Il y a un bout qui marche comme un zombie. Soit c'est ça, soit c'est Michael Jackson. C'est refermé? Droite. Ah oui, il y a un mec en combi mort. Hello, motherfucker! Ah, cours! Je peux pas courir? Cavale! Cavale, Kenny, cavale! Faut que je charge ma touche pour courir! Non, ok, c'est bon. Y'a pas su. Oh, y'a un smile. Oh putain, mais. Eh, hey, hey, eh! C'est un préviens, mon ref! Oh! Ah, il faut que je prenne un truc. Faut qu'on trouve un truc qu'on mette dedans. Quel genre de truc? Je sais pas. Oh! Ok, on est au bout. Ah, cool. C'est ma chambre, déjà, de base, donc t'as pas à interférer, déjà. On se sépare, ce sera plus rapide. Ok. Ça se voit que j'ai pris en maturité dans les jeux d'horreur. Parce qu'avant, j'étais en mode, non, faut pas se séparer et tout. Il y a un monstre qui balance de l'acide par terre. Oui, c'est le zombie. Hein. Non, c'est un autre truc. C'est pas un zombie, c'est pas lui que j'ai vu en costume. Où il était passé, il y avait de l'acide. Ah, si, si, c'est lui, je le vois. Je peux... I need some info. Ok, j'ai trouvé... Y'a rien. Une cheminée, et il me faut, je crois, une torche. Mais... Excusez-moi. Ah, wesh. Ça va, mec? Non, 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 non. Y'a un truc dans ma chambre qui court vite. On est fragile, là. Comme ça, qui court vite. Y'avait que les zombies, à la base. Et les zombies, c'est lent. Ah, il est pas lent, lui. Ah, je les vois. C'est un zombie avec un masque de médecin de la peste. Ouais, je le vois, avec un pote à lui. Mm-hmm. Mais ils sont lents, bon. Enfin, ils sont loin de moi. Oh, c'est trop stylé, ce que j'ai trouvé. Il a pété un plomb, quoi. C'est stylé et flippant. Merguez, j'ai trouvé une salle où il y a des lampes et où il y a des genres d'artefacts. Alors... R, trilopode, poids, ok, d'accord, je m'en bats les couilles, mon ref, je vais pas te mentir. D'accord, et concrètement... Oh! Oh! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Il m'a vu ou il m'a pas vu? Il a les yeux qui brillent, hein. Je me casse. Allez, salut! Salut! Sac et sac! Non, oui, non! Mais t'en vais sur quoi, toi, encore? Ferme la porte, couillon! Ok, je suis arrivé dans un autre droit, Est-ce que je peux sortir maintenant? Je suis arrivé à un endroit où il y a des piliers. Ne sors, fais gaffe, il y a un grand mec. Je crois que c'est un monstre qu'on a. Oui, oui. Oui, oui. Pardon, excuse-moi. Il y a un mec qui se bat de chambre en chambre. Ok, ok, Merguez, je suis arrivé dans un endroit où c'est obligé, on aura des réponses. Mais il y a des cadres. Mais y a pas de photo dessus. Alors, Merguez, écoute-moi. Les What miroirs, the fuck une... Je lui dis, écoute-moi, il gueule. Donc, pour projeter un rayon de lumière, il vous suffit de placer une gemme directement dans la lumière. Oh oh, oh. Merguez, si tu trouves une... Si tu trouves une gemme, il faudra l'amener là où je suis, d'accord? Non. Non! Je suis mort. Ok, non, ok, je suis mort. Oh. Frère, l'ambiance elle est horrible! Elle peut pas être plus horrible de ce que moi je vis actuellement, vraiment. En gros, y'a un mec qui fait pièce par pièce. Et je sais pas quand est-ce qu'il va rentrer dans la mienne. Qui marche à côté de moi et qui fait un bruit de. Tout en se rapprochant. Oui, bah moi aussi. Et y a deux accès. Et bah moi aussi. Et je sais pas par où il va rentrer. Y'a un téléphone qui sonne. Ok, Merguez, je vais lire un truc.
Lingots. Les cheminées. Oh, il y a 3 fossiles exposés dans ce musée, mais ce sont des répliques faites de sable. On dit qu'il y a quelque chose de caché à l'intérieur de l'un de ces objets, mais cela ne sera révélé que si l'objet est placé sous l'eau. D'accord, ouais. Mais Cavale. Que je dois faire quoi concrètement? Je peux ouvrir. Je dois péter ça peut-être. Oh merde! Oh non, je voulais pas le voler! Je voulais pas le voler, non! Ça va être horrible. Pourquoi il y a autant de... Je suis mort! Oh, mais faut regarder tous les tableaux. Mais je suis mort! Oh! Oh non, mon sort, j'ai trouvé une pièce horrible. J'ai des problèmes, Merguez, vraiment. Là, j'ai pris un truc dans un. Mais c'est le cadet de nos soucis, mon rêve! Je suis dans une pièce enfermée parce que j'ai volé un truc et il y a tout qui sonne à côté de moi, je peux rien faire! Avec 8 tableaux, au moins. Et sur les 8 tableaux, faut mettre des numéros. Et pour ça, faut faire toutes les chambres. Faut toutes les refaire une par une. Oh oui. Pour trouver tous les codes. Libre. Oh merci tous Seigneur. Tous les putains de codes de vie depuis. J'ai pas fait tout ça pour mûrir maintenant. Je m'en fous, je meurs pas. Écoute-moi bien, je suis une tante si je meurs. Oh putain. Je suis à côté de toi. Oui, mais y'a un mec dans une chambre. Ouais, y'a un papillon. Et y'a un mec dans une chambre. Mais je te l'ai dit, mais en plus y'a un papillon qui se balade. C'est quoi ce niveau? Non. T'es dans quelle chambre, Berges, vite? Je suis mort. Oh là, je suis mort. Là, le seul moyen, c'est... Il me tue pas d'un coup, le mec. Volé. Je suis mort. Je viens de vivre la pire expérience de toute ma vie, mec. Bon, je vais expliquer ça pour les gens qui vont voir mon rec, pourquoi j'ai volé ça. Alors, je vais vous expliquer. Dans ma tête, c'était grave un bon plan, parce que dans ma tête, je me suis dit, si je me fais courser par un monstre, bah, le meilleur moyen, c'est de retourner dans la salle où j'étais enfermé, et de revoler le truc pour que ça crée des barrières et qu'il puisse pas passer. Ce que j'avais pas prévu, c'est que je m'enferme avec le monstre. Mais sinon, c'était un bon plan. C'était quasiment un bon plan. Non. Non, pitié, non! Arrêtez! Pendant ce temps. Non. Non, pitié, non! Arrêtez! Ah non, pitié! Arrêtez, quand t'as fermé la porte, c'est parce qu'il y avait le grand mec en face! C'est ça? Arrêtez! Mais dis-toi que moi je me suis fait courser par un papillon, j'ai tapé un spray, j'ai tourné la tête à droite pour ouvrir une porte, et il y avait le mec juste à côté d'une porte qui s'est fermée devant moi. J'ai fait demi-tour, je me suis mangé le papillon. Je suis un peu plus loin, je suis dans la cuisine. Oh pardon, c'est moi qui... Non mais c'est moi. Ok. Désolé, je cherche... Ça, mon cœur il bat vers là, donc je cherche... Où est la putain de porte? Oh, la porte s'est ouverte toute seule, mais c'est quoi ce bordel encore? Non mais merde, mais... NON! Waouh! Oui, wow, il te frappe, en deux coups, il te tue en deux coups. Quoi? T'es mort? J'entends plus mon cœur battre. C'est que t'es mort. J'ai des poids au cas où. Oh putain, c'est toi. Ce tableau, y'a pas... Ah, par exemple, tu vois, genre, ce tableau, ça se trouve, il y a besoin du numéro de la chambre, et ah, il oui, faut... C'est ce que je veux dire. C'est... Mais vite, sa mère, Merguez, flippe. C'est un mime pour le chaud. Je suis en vie. Ah, merci pour ton aide, Merguez, ça fait plaisir. Ah Dieu est trop bon, Dieu est trop bon. J'ai pas compris ce qui vient de se passer. Ça s'appelle le karma. Bon bah par contre je sors pas de l'endroit où je suis. Pas pour l'instant. Mais frère, mais il est trop grand le labyrinthe, c'est n'importe quoi. Non mais ils savent plus quoi faire, du coup ils font des labyrinthes de fils de pute. Non. C'est dès le début ils faisaient des labyrinthes mec. Hein. Moi je me rappelle très bien. La première zone c'est un labyrinthe. Il faut les numéros de la porte, c'est ce que j'allais te dire en plus. Il juste faut avant 8 portes au moins. Ouais. Y'a un mec pas loin de moi. Bifle-le. C'est pas un gentil mec. Bifle-le.
bof, hein. On fait partie de l'air. Je crois que j'ai trouvé un mec qui est pas forcément un mec gentil. Vu qu'il a un masque, je peux pas le bifler. C'est problématique. Je vais attendre qu'il passe son chemin. Puis l'autre avec sa gueule, il te la bouffe, hein. Oui, clairement. Mais pourquoi il part pas juste? T'as plus de butteux, là. Après, tu sais, la délicatesse... Soit ils font sur ma gueule et je fais un demi-tour, soit ils font sur la gueule de merguez. Et sur la gueule de merguez. Le papillon, il m'a tué à travers la porte. Mes frères. Je respire, doppelganger. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai bâtard. Allez, j'ai envie. Dans ton cul. Dans ton cul. Dans ton cul. Et je parle de toi, merguez. On peut voler des trucs? Oh merguez! Je suis là! J'arrive. Oui? Oui, non, si tu le voles, c'est la merde! Le touche pas! Ok. Voler, c'est la grande merde. Oh bon. 10 kilos. J'ai pas de poids. Ah non, tu m'as mis dans la tête, enculé. T'es parti où, toi? Mais préviens! De quoi préviens? C'est juste derrière toi, connard! Mais non! Bah, ah, si. Mais. Putain! Oui, je vais manger un truc, donc je... Allez, frère. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. Attends-moi, wesh. Merguez, ne reviens pas où t'étais. Non, si, si, tu peux revenir. Mais fais gaffe, quand même. T'es mort? Ah ouais. C'est quoi ce bruit? Ah! Pas possible d'avoir le karma à ce point-là. C'est une maladie. C'est pas possible. Faut pas aller au pilier. Il est tout en instant que je suis le pion de mer. C'est le papillon aussi qui l'a tué. Il nous a tués tous les deux ce matin. Il m'emmerde celui-là, hein. Putain... Je me suis bloqué dans la porte. Fuck. Oh. Oh. Oh le... Oh le salaud. Ok, let's go mec. Ok, ici c'est déjà fait, c'est déjà fait. C'était ici où je m'étais... On a déjà tout fait. Ouais, mais un secteur, on n'a pas fait, c'est ce secteur là-bas. Si, si, je l'ai fait. J'ai vraiment tout fait. Bah, on a dû louper des ouais, trucs. Ouais, je te gars. Bien ou quoi. Oh là. Attends, toi. Ah non. Oh, y'a un corps. Merguez, viens m'aider, je t'ai entendu fermer la porte, espèce de sale chien. Là. Mais quoi? T'es pas mort? Non. J'ai encore en vie, j'ai encore en vie. Et comment? Il m'a mis une droite, je me suis planqué derrière le comptoir là. Et ici, il a fait demi-tour, ce sale chien galeux. Non mais ce niveau, putain, contre, merguez, il a l'air trop compliqué. Non, non, mais je retiens merguez, hein. Ça sauve bien les potes, hein. T'inquiète, hein. Bon, je crois... Non, non, il a fermé la porte après lui, mais c'est un psychopathe prédit. Mais dis-moi, Putain, je suis dans la cuisine, il y a le mec masqué qui rentre dans la cuisine, qui ferme la porte, qui commence à me courser, je tape un sprint le tour du condor pour aller ouvrir la porte. J'ouvre la porte, il y en a un deuxième. Ils m'ont tellement tabassé les deux que mon skin, il a bugué, j'étais en l'air. Je pouvais plus bouger. Puis ils m'ont fini mon temps en l'air. Vas-y, c'est bon là, putain. Viens, on va jouer au jeu des animaux là. Partie animal. Ouais, et ça on le fera une prochaine fois, c'est bon. De toute façon, mec, nos vies vont bientôt disparaître. Donc là, dès que nos vies disparaissent, on part d'animal, moi je te le dis. Ah, mais tu veux qu'on finisse nos vies? Ben, on a plus beaucoup de vies, y'a un téléphone. Mais t'es malade, frère, j'en ai encore 8 ou 7. C'est pas individuel? Oui. Non, mais. Non, c'est pas collectif. Ah non, c'est pas ça. Ah. Sur ça va être long. Bah, moi, ça va, moi j'ai plus beaucoup de vie, il me reste plus que 3, je crois. Bah oui. Je suis désolé de faire faux bon pour un live qui nous, mais ma connexion est au stade Moyen-Âge. T'inquiète, tu vas rien louper, hein. De toute façon, peut-être qu'on fera. Mais ils sont deux! Bah, ils sont deux!
Ils sont deux. Il y a Batman qui respire un peu. Ah maman, il est trop rapide, il est trop rapide. Donc on faisait de la drill. Ok, ces bâtards, ils viennent en gang, ces fils de pute. Pas de ça. Mec, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Il est trop rapide. Il vient en gang et après il va mettre des gifles. Non mais le mec au masque, il est beaucoup trop rapide. Il ouvre les portes, il gifle les gens. C'est trop. On essaie de se rejoindre. Bah moi je peux pas sortir là pour l'instant. Bah écoute, j'arrive. Je vais mettre du soin et je vais mettre du truc pour de l'endurance. Je me mets tout. Personne m'arrête. Let's go. Le papillon. Let's go. Ah, c'est toi. Ah, c'est moi derrière toi. Devant. Quoi devant? Non, c'est bon, sors, tu peux sortir. Oh putain, tu m'as fait flipper. Ah, oh, il faut pas faire des trucs comme ça, mec. Pense aux gens. Salut la choix. Comment ça, pense aux gens? Pense à moi. Non, c'est bon, je suis full. Non. Oui. Demi-tour, viens, suis-moi. On va passer par là. Tu me suis? Ok, doucement. Parce que... Faut pas qu'on tue pas. Oh putain! Ok, je les back, je suis en génie, Marguez. I'm the fucking genius. Ah non! I'm fucking genius. Un truc sur mon cul, c'est pas possible. Il est voué à me tuer. Mais t'es parti où? Je suis au musée. Non, je suis sorti du musée. Je suis revenu. Oh, je suis là. Oh, laisse-moi rentrer, putain. Oh, putain. Ferme la porte, s'il te plaît. Cimer. T'as vu cette pièce de mort, là? Oh, ça, c'est trop chiant. Vous avez raté un cadre qui pourra vous servir. On a tout raté, d'accord? Et... Actuellement, on est juste... On essaie juste de survivre. Ah, bah, pourquoi tu as mis une chale à la machine, là? Attends. Il est pas content. Il a ouvert le placard. Ah mais il ouvre les placards. Non, c'est moi qui suis bloqué des placards. J'ai voulu partir et fermer la porte, sauf qu'il m'a chopé avant que je ferme la porte. T'es dedans? Mais non. On a chacun des emmerdes, mon ref. Mais sale pute. Tu l'as laissé dans la pièce seule avec moi? Mais c'est... Ils ont changé les backrooms. Ouais. Ah, tu reviens ici? Je t'ouvre la porte. Vas-y. Moi, j'aime pas le... T'as pas de l'eau d'amande? J'ai besoin de soin. Vas-y, tiens, je te biblique. Attends. Attends, j'ai pas mon équipement, je l'ai pas mis, c'est vrai. Tiens, je t'ai donné un 10 grammes. Si, merde, ça fait plaisir. Combien je te dois? Non, c'est la mue. Ah, ça fait plaisir, franchement. Ouais, c'est pour les dette, infos que t'as donné sur les comptes des t'inquiète. Une dette et une dette, mec. Bon, j'y vais. Je vais en écrire. C'est quoi, je passe? J'ai entendu papillon. Hello there. Oh! À gauche. J'ai dit, j'ai entendu papillon. Il est à gauche, il est accroché sur le mur. Je sais pas comment on va faire pour sortir, mec. Ouais, accroupi. Je passe devant parce que. Bah, j'ai une dette. Tu m'as soigné. Une dette. C'est dans cette pièce le téléphone? Non, je crois que c'est à la réception. Je pense que peut-être on a raté un truc à la réception. Je pense qu'il faut camper à la réception. Quoi qu'il arrive, mon sœur, si on est séparés, on se retrouve à la réception. Je le sens pas. Oh, c'est toi! Ah non, c'est pas moi! Oh, y'a un autre monsieur! Bordel! C'est bon, je suis en vie. Non, mais derrière toi! Yo! Oh, bien. Fais gaffe, parce que ici c'était pas un bon endroit. Oh! Pam 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 pam. Palam. Je suis caché. Bah moi. Attends, il y a un bout de papier. Couvre-moi, faut que je lise, d'accord? Tu me dis s'il arrive, ok? Je compte sur toi. Ouais. Ok, donc en gros, on doit trouver de la bouffe qu'il aime manger à part nous, je vois pas trop ce qu'il aime d'autre manger, le mettre sur la table au centre et faire sonner la cloche pour attirer le monstre. Et après, je Mais sais si, pas les quoi. Pots, là. Il manque un pot. Quel pot? Un pot de quoi? Un pot pour courir vite. Mais non, moi j'en ai ça. J'en ai deux. Il faut en poser un. Ah bon? Un wow? C'est ça qu'il demande? Je pense.
Attends, il y a un truc écrit ici. Mais pourquoi tu me l'as pas dit, bordel de merde? Information. Non, je pense. Mais non, c'est pas ça, les pots pour courir, mais c'est pour nous, quoi. C'est pourquoi. Dans les couloirs anciens et abandonnés. Un truc qui se rapproche, Marcus, s'il te plaît, surveille. Ouais, dans les couloirs anciens. Remonte. Dans les couloirs anciens, il y a un autre qui vient. Ah, je suis bipolaire. Qu'est-ce que je raconte? Ah, fallait me dire qu'il y en avait un espèce de couillon. Mais je te l'ai dit, il y en a un qui arrive. Non, en haut, tu l'as zigzagué, moi je te l'ai derrière toi, je me suis pris de face. Il one shot pas lui. Il m'a clairement tué, hein. Je suis mort instant. J'ai mis une gelée de papillon. Comment on fait sonner la sonnette là? Mais fais chier. Bah tant pis, tu manges pas, fils de pute. Comme. T'as tout mis alors? Bah non, ça marche pas. Donc c'est pas ça qu'il faut mettre, c'est autre chose. Bordel! Mets-toi accroupi, chope ses pieds! Y'en a un autre! Ah, ah non, j'ai plus d'endurance, je vais mourir en visite de tout le monde, c'est obligé! Mais il one shot maintenant, c'est chiant! Ah non! Ok, je suis encore en vie! Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait de lui, mais pute! Ça commence à me casser les couilles là. Ah, peut-être que c'est 3 sodas. Genre là, on a mis. Ok, Maria, je crois que j'ai compris. Mais t'as compris, moi? Mais j'ai des poids sur moi. Tu fasse quoi avec des poids, moi? Je sais pas. J'ai 10 et 6 kilos. Ah putain, t'as des poids? Oui, depuis tout à l'heure, c'est ce que je te dis. Fallait me le dire, tu l'as récupéré où tes poids de merde? Dans des chambres, sur des tables. Ouais, le poids c'est le truc dans les trucs des musées là, mais ils demandent pas le poids. Ah mais putain, mais si! T'as des trucs de poids, mais c'est ça que t'as? Oui, j'en ai deux. Ok, faut qu'on aille au truc du musée. Quand on vole un truc, tout se ferme. Et ça écrit le nom du poids du truc. Oui, mais ce qu'on vole, on les met où après? J'ai jamais vu de truc comme ça. Ça, on va l'utiliser, Bon, je crois qu'on va l'utiliser au. Oh, je commence à avoir. Soit on va l'utiliser au miroir, je pense. T'es prêt? Go. Ok, t'as quoi comme poids? J'ai dit c'est 6 kilos. Ok, lui c'est 6 kilos. Lui c'est 6 kilos. Vas-y, prends-le. Ok. T'as dit 10 kilos après? 10 kilos c'est lui. Attends, je prends ça. Je crois que c'est ça que le mec il mange. Peut-être. On essaye? Il en manque? Oui, bah. L'autre, on peut pas le récupérer pour l'instant, on est que deux. Attends, j'ai plus d'endurance. Ah putain, on est méga lent, hein, avec. On peut pas courir. Demi-tour. Non, t'inquiète, continue. Ah, fais chier, quel gourmand! Je suis un homme gourmand, voilà. Je suis gourmand. J'ai été gourmandé, je vais me faire goûter. Voilà, je me suis fait goûter. Chet! Bien fait pour ton cul, monster. Chet! Partie animal. Partie bien animal, hein. Bon, ben vas-y, au pire, demain, je vais lancer un live, on va essayer de le faire. Hein. Mm-hmm. Mais là, cette fois-ci, on sera bien, tu vois, on va réfléchir, tout ouais, ça, on sera en mode, ouais, on sait, tu vois, on sait ce qu'on attend, ce qui nous attend, voilà. Mais quand même, je tiens à dire, en 1h07, on n'a pas réussi un seul truc. Non, mais faut dire, quand même.